Et bonjour. Je tente de réfléchir à si j'allais faire ce papier normal ou pas. Demain, et où on pourra créer. Tiens, pas plus bas. 5H, ça c'est des bras. Bon là, je sais pas. Techniquement, j'avais un pot avec des crayons de papier. Quelle idée de ranger vos affaires, hein, je vous jure. Ne rangez jamais vos affaires. C'est toujours catastrophique. Alors je risque d'être avachi tout le temps. Que vous aurez vu en même temps sur la caméra que je viens de frapper. Mais tant pis. Alors aujourd'hui on continue avec les Ghibli. Le Ghibli Mons. Et aujourd'hui le thème. Excusez-moi, c'est il est mon thème. Esprit de la forêt. Le problème, c'est qu'ils sont tous des esprits de la forêt. Quasiment. Est-ce qu'on va en choisir qu'un? Bah non. Je pense que je vais faire Totoro avec des Kodama. Je sais pas si je vais faire le loup, potentiellement Ponyo. Voilà, ça va être de Ariety. Quel autre Ghibli que j'ai pas pris les chiens. Okay. Je sais pas si je vais réussir à faire un truc correct, mais ah ouais, j'avoue, autrement le Shabu c'est sympa. Est-ce que Totoro et Shabu sont plus considérés comme l'esprit de la forêt? Ah, la petite bête dans Nausicaa. Ça, j'aime pas. Est-ce que dans Kiki, il y a des esprits de la forêt? Corbeau, dans des esprits. Non. Ah, je crois qu'il va falloir que je fasse sur une grande feuille en fait. Il a déjà fait quoi à coup?
Chilevo. Et Noirod aussi. Je sens que Noirod, on y va dans deux filles. On est sur le brainstorming, hein, c'est toujours le début. Affiche-toi l'image. Quand tes rêves veulent pas s'ouvrir. Ouais, au pire, je prends celle-là. C'est pas mal pour moi aussi. Tu prends un truc à manger. Faire tout court. C'est trop grand là, c'est ça. Il y a un truc qui me plaisait pas.
si je m'avachis complètement, c'est sûr que ta caméra ne sert plus à rien. Salut mamie! Ça va? C'est pas ça. Et en plus, j'ai des allergies. Moi qui étais contente de plus les avoir. Bah, j'ai pas beaucoup dormi, hein. Je suis réveillée depuis 5 heures là. Dur, dur. Je pouvais pas respirer cette nuit. C'était pas top. Ça fait au moins 10 ans que ça m'est pas arrivé d'avoir des allergies comme ça, donc c'est un peu bizarre. Ça va? Bah tant mieux. Je suis en train de me demander si je vais pas me chercher à bouffer, toi. Ah, je vais faire que ça de me gratter le cou, d'ailleurs. Je m'excuse. Bonjour, Pompon. Ah, t'es arrivé sur Discord, toi. Bonjour, Pompon. Tu utilises les alertes des autres, toi. Hein? Tu utilises les alertes des autres, toi. Moi, je t'avais pour voir si t'allais tomber dans le piège ou Raté. Eh, si t'en veux une, hein, tu me donnes un son et je t'en fais une. Hein. Tu pourrais en avoir... Bon. tu peux en avoir une pour toi aussi. Hein. Ah, il faut que je te trouve quelque chose. Oh, chemin! Salut Choma, c'est sûr, ça fait quelques heures qu'on n'a pas parlé. Non mais avec Choma, on a parlé tout le week-end parce qu'il était au Hellfest. Alors du coup, moi j'ai suivi sur Arte. Lui, il a pu voir tous les concerts, mais moi j'en ai vu quelques-uns du coup sur Arte et c'était vachement cool. Et j'ai vu du coup les Sum 41, entre autres. C'était dur de tenir hein, parce que le concert était à minuit 50. J'étais en PLS. À ce moment-là, j'étais en train de rédiger une lettre pour KDP. Et par contre, bah là, j'ai vu dans un article qu'il y a un des groupes que je voulais voir qui est annulé. Et je pense que c'est pour ça que toute la programmation avait été bougée par rapport à ce que je voulais voir. Parce qu'il y avait bah, un des groupes que je voulais voir, c'est Incubus, et a annulé. Je n'ai pas vu pourquoi, parce que les articles, je vois pas. Et après, c'est bien, les articles, tu vois les titres et tu vois pas le reste, hein, comme toujours. Faut payer. L'argent avant l'information, bien entendu. Eh non, mais mamie, franchement, si t'as pas envie de te faire bouler, profite de Arte, hein. Après, je suis un peu déçue parce que du coup, il n'y a pas eu le groupe de Johnny Depp, il n'y a pas eu le groupe de Jack Black. J'aurais bien voulu les voir. Et puis, il y a Incubus, mais bon, en même temps. Et Slipknot. Ouais, je pense que ça aurait été cool, c'est là, tout de même. Ah, ok, Choma, merci.
Mais ça explique pourquoi Hailstorm a été décalé, je pense, entre autres, parce qu'il y a un groupe qui a dû venir au dernier moment et je pense qu'ils ont dû intervertir certains trucs. Et c'est pour ça que ta programmation n'était pas pareille, Choma. Et moi, pareil. Quand j'avais regardé le premier jour sur Arte et que j'ai re-regardé après, genre, mais il est où mon concert? Et en plus, c'est même, il y a eu quoi, 40 minutes, 45 minutes seulement pour Hailstorm, j'étais trop déçue. Ah ouais, mamie, tu supportes? Je sais, Choma, qui était. J'ai une photo, hein. J'ai vu les photos. Et bah ouais, mais moi, tu vois, rien qu'à voir la foule à la télé, je me suis dit, finalement, heureusement que j'ai pas acheté des places au dernier moment. C'est pas pour moi, hein, il y a trop de gens. Hein. Enfin, du moins, pas en ce moment. Peut-être que par moment, je pourrais supporter de nouveau avoir beaucoup de gens. Chose qu'il faut que je m'interroge sur moi-même par rapport à ça, parce que j'ai regardé les offres d'emploi tout à l'heure. Et du coup, il y en a pas mal dans la vente. Est-ce que je serai encore capable? Je ne suis pas sûre. Qui est là? J'ai entendu un pouce. Isabella, Bonjour tu Isabella! m'entends? Hello. Bonjour, c'est bon. Ça va, ton après-midi s'est bien passé? Oui, il fait chaud chez moi, c'est tout. Ah, Oui, c'est pour moi ça. j'enchaîne les orages. Ah. Ça Ben, va cacher. oui, mais en fait, le problème, c'est que je ne sais pas si vous avez vu aux infos, mais vendredi, samedi, il y a eu des tremblements de terre. Dans ma région, ce qui n'arrive jamais. J'ai senti celui de 4 h du matin le samedi. Hein. Oui. 4 h du matin, c'est génial. Mais l'autre, j'étais en train de marcher dans la rue, je ne l'ai pas senti. Et le problème, c'est que là, du coup, il y a des gros dégâts avec ça, pour certaines personnes. Moi, je n'ai rien vu, en tout cas. Et là, on a des averses et des gros orages. Donc, il pleut dans les maisons. C'est super. Et du coup, au boulot, tout le monde nous appelle, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Mais parce que du coup, Aya, elle bosse dans une. Dans un Comment cabinet d'expertise en assurance. voilà. Ah oui. C'est le fun. Puis, ça se passe super bien. Pas du tout ras le cul. C'est pas pour ça que je regardais les offres d'emploi tout à l'heure. Moi, je me suis battue avec KDP cette nuit pour publier le carnet de Isabella. Mais j'ai vaincu. Bravo! Merci. Il est trop bien, trop cool. Ça arrive bientôt. Mais oui, je sais pas. C'est en fait. C'est tellement fréquent que j'ai des problèmes quand je publie des cahiers que je me stresse beaucoup quand j'en reçois une notification. Parce que je sais très bien qu'au bout d'un moment, j'arrive à le publier. Oui, c'est ça le but. Mais voilà, ça allait. En fait, je pense que c'était juste un truc parce que. Je me suis demandé si c'est pas parce que l'autre kanji memorizer il s'appelait Samurai tout court, là même Samurai Frog, du coup ça ressemblait vachement. Oui, peut-être. Et il n'y avait pas assez de différence pour le robot, tu vois. Ouais. Mais ça y est, il est là. Je l'ai peut-être même encore dans le. Ah oui, j'ai même encore pour pouvoir la publier. Je suis ailleurs. C'est ton nouveau carnet? Ok. Réalisé avec Isabella ici présente. Ben voilà, vous avez le lien. Excusez-moi, je suis en train de me battre avec. Je cherche des refs.
système, je suis allée me battre avec la banque. Mais j'ai pas réussi. T'as pas réussi à les joindre, je parie? Ouais, exact. T'as vu, ah hein? Non, je suis allée sur place. Bon, allez, je vous le dis parce que on est entre nous, mais c'est. En fait, j'ai un compte courant à la banque postale. Qui est super pratique parce que bah, surtout quand je faisais des études, ça me permettait d'aller n'importe où dans une poste et je pouvais me faire mes trucs de banque en même temps quoi. Sauf que là j'ai voulu voir mon conseiller et impossible, enfin il n'était pas là ce jour là d'ailleurs, il y avait une seule dame à la poste du bled là. Et la première personne, quand je suis rentrée, on était genre trois personnes à l'attente. Sauf que la toute première personne, elle a mis 3 plombes pour faire un virement Western Union qui voulait pas passer. Et du coup, quand je suis repartie, on était genre 12, 15, je sais pas combien on était, mais. Parce que ça se trouve, elle aurait peut-être pu me rendre service, cette dame. Sauf que moi, je voulais voir un conseiller. Voilà. C'était mon but dans la vie, c'était de voir le conseiller. Parce que j'ai eu un souci avec une transaction. Je crois savoir ce que c'est, mais voilà. Et je risque de devoir refaire ce type de transaction. Donc, je veux plus qu'il y ait de problème pour les suivants. Donc, je veux prendre le temps de voir comment on peut faire. Sauf que j'avais pas de conseiller, puis elle voulait pas me donner ses horaires. En fait, je sais même pas si elle les connaît, puisque voilà, en fait, elle m'a dit qu'il avait un mi-temps thérapeutique, donc ça se trouve, je sais même pas si elle les connaît, ses horaires. Elle m'a filé un numéro à appeler. Et après, bah, je peux vous continuer, mais après, c'est tout ce que j'ai raconté dans ma story de tout à l'heure. Voulez-vous la suite? Bah, si tu veux, oui. Bah, oui. Alors, la suite, c'est que. Ça m'a saoulée. Donc, je me suis dit, allez, je vais aller me rafraîchir les idées chez ma mère. Parce que, vous savez, chez ma mère. Il fait très frais grâce à la ferme comtoise, parce que j'ai chaud aussi. Je suis allée, puis je la verrai. Je me suis dit, je vais y aller, comme si une journée de merde, elle sera pas là, mais je vais y aller quand même. Mais elle était pas là. Mais bon, j'ai les clés, donc je m'en vais. Et le numéro, du coup, que j'avais, qu'on m'avait donné, j'ai essayé d'appeler. Au frais, toi. Sauf que, mon téléphone m'a dit non. Vous n'avez pas le droit d'appeler ce type de numéro. Je sais, hein, quoi, pardon. C'est quoi ce délire? En fait, c'est un numéro genre 15 centimes d'appel la minute. Ah. Mais pour appeler le service client de ta propre banque, hein. Mais justement, je sais pas si sur la poste c'est pareil, mais t'as pas une application qui te permet de prendre rendez-vous avec ton conseiller ou quelque chose comme ça? Ah si, si. Donc bon, j'ai appelé ce numéro-là, ça marchait pas. Je me suis dit, je vais brancher le fixe de maman, peut-être que je pouvais le faire avec. Mais il y avait pas de batterie, donc. Y a rien qui va. Ah mais y a rien qui va aujourd'hui. Donc j'ai attendu qu'il se charge, mais je sais pas s'il charge vraiment le machin. Du coup j'ai pas pu essayer. De toute façon, j'avais pas envie d'avoir quelqu'un au téléphone. Ce que j'avais envie, c'est de voir un conseiller, un IRL. Parce que j'avais les papiers avec moi, tu vois. J'avais tous les papiers des transactions. Et donc, je suis allée sur l'appli, hein, évidemment. Parce que une autre personne m'a dit comme toi, mais vas-y, sur l'appli, tu peux prendre rendez-vous. Alors, j'y suis allée. J'ai trouvé un formulaire indisponible pour prendre rendez-vous. Et après j'ai trouvé un autre numéro que le numéro que m'avait. Ah bah vas-y, j'appelle. Alors il marchait, mais ce numéro n'était pas disponible pour le moment. Après, ça m'étonne pas trop
dans le sens où ils se sont fait hacker il y a pas longtemps et qu'il y a un peu tout qui merde. Ah oui, la poste s'est fait hacker il y a pas très très longtemps. Génial. Encore une raison de plus pour laquelle je vais me barrer. Bon, après... Ça fait des années que j'aimerais changer. Ouais. Je voulais aller au crédit coopératif. Mm-hmm. Parce qu'ils ont une gestion de l'argent très solidaire et sociale, etc. J'ai l'impression d'entendre les pubs de Crédit Mutuel, pardon. Excuse-moi. Sauf qu'ils ne peuvent pas faire de compte pro. Ah, d'accord. Du coup, bon, j'ai pas fait le switch. Et pareil, pour poser de l'argent ou faire des trucs comme ça, ils ont pas des agences partout. Donc, mais en vrai, maintenant, je crois que tu peux. Ils ont des partenariats, il me semble, avec certaines autres banques. Tu peux poser du liquide dans d'autres banques, des chèques. Et oui, sinon il y a le Crédit Mut, effectivement. Bah moi je suis au Crédit Mutuel. Ce qui me saoule un peu, c'est qu'ils changent de gestionnaire sans forcément que tu sois au courant. Dernièrement, avant, si tu veux, quand j'étais plus jeune, bah du coup c'était quand c'est ma mère qui m'avait créé mon compte et tout. On a eu la même gestionnaire, on avait même changé d'agence pour la garder, donc on l'a eu pendant très très longtemps. Après elle est partie, bon ça arrive au bout d'un moment, hein, elle change de poste ou je sais plus quoi. Et c'est vrai que depuis, je pense pas que j'ai vu un seul de mes gestionnaires du coup, parce que ça change régulièrement. Mm-hmm. Là j'ai découvert que c'est un mec, puis de temps en temps ça m'envoie des mails, sauf que c'est pas lui, m'en fout, ça me saoule. Et à la limite c'est aussi ce qui me saoule, c'est que par exemple pour ma carte bancaire, j'ai été obligée d'installer leur putain d'application parce que maintenant ils t'envoient sur l'application un code dès que tu payes en ligne quasiment, qu'il faut que tu valides et tout. Qu'est-ce que ça me gave ? Ok, c'est plus sécurisé, mais j'ai pris cette carte bancaire là parce qu'elle était faite, elle était sécurisée en ligne. M'emmerdez pas avec une appli en plus ! Voilà. Je suis une rageuse. Tout est normal. Ça change tous les ans. Ça. Voilà. Non, mais je sais pas combien de temps, combien de fois ça change, mais c'est chiant. De quoi est chômage ? J'ai pas compris. Et en plus, j'ai essayé de retrouver la carte de visite de mon conseiller. Mais évidemment, je l'ai pas trouvée. Ah bah non. Quelle drôle d'idée. Réussir à avoir son conseiller. Non, pas ça, chômage. Message d'avant par rapport le Hellfest. Pas compris. Oh voilà, c'est génial. Ouais. Du coup, j'ai pas du tout pu faire ce que je voulais. Moi non plus. On a eu une réunion. J'ai encore des options en réserve de régler mon problème. Mais bon. Ah, déjà un chômage. Pas sûr, un chômage. Attends, je vais me muter pour que tu puisses faire les comptes. Pas sur Shoba, hein. Y a des problèmes par rapport à... à la date de l'année prochaine. Ça fait tout un flanc. Donc pas sûr que tu les achètes la semaine prochaine. Hein. Si, c'est pas, non, pas intéressant. C'est juste que je répondais à Shoba et je voulais pas que ça... Ah non, mais c'était pas une remarque, c'était je le pense. Ah, pardon. Je pense vraiment que c'est pas intéressant ces histoires de banque. Bon, bah, c'est qu'on passe tous par là, de toute façon. Bah, enfin, oui, non, moi. Tu veux faire un truc simple et puis au final c'est hyper compliqué. Bah, moi pour mon argent, bah, genre, on va dire courant, tout comme ça, j'ai une banque. Bon, ça c'est pas un problème. Mais comme j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, on reçoit parfois une prime. Prime par rapport au chiffre d'affaires, des trucs comme ça. Ce qui est le cas avec mon entreprise actuelle et Cultura où j'étais avant. Ce qui fait que, techniquement, parce que mon entreprise actuelle vient juste de changer, donc j'en ai deux autres banques pour l'entreprise à laquelle je suis, plus encore une autre. Donc techniquement, j'ai quatre trucs à gérer, sur lesquels je ne viens jamais. D'ailleurs, j'ai découvert comment m'y connecter il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, Shoma, prime d'intéressement. Un truc comme ça.
En fait, j'y touche pas à cet argent parce que tu sais, c'est en gros les bénéfices qui nous reversent. On a le droit à une petite partie. Et je les laisse fructifier tant que j'ai pas besoin de cet argent parce qu'autrement, je paye des impôts dessus. C'est stratégique. Et coucou, Cloud. Mais ça, c'est que quand tu travailles en entreprise que t'as ce genre de choses. Toi, t'as ta propre entreprise. Donc, c'est pas les mêmes termes. En fait, tu sais, je suis supposée avoir un compte pro en plus de mon compte perso. Ouais. Mais vu qu'on me l'a jamais réclamé, j'ai jamais fait. Ouais. Qu'est-ce que j'apprends à ma stagiaire là ? Aïe, 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 aïe. Ouais, mais de toute façon, c'est chiant. C'est dur, Cloud, aujourd'hui. C'est pas une bonne journée. C'est Punchonet qui nous paye l'intéressement et... Ben, quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? J'ai pas compris, Shoma. Ah, c'est peut-être ça. Je suis très fatiguée. Je suis réveillée depuis 5h du matin. C'est une journée très compliquée. J'ai cauchemardé toute la nuit du boulot. J'ai eu des orages. Et je ne pouvais pas respirer. J'étais sur une bonne nuit. Malice. C'est la joie de redécouvrir les allergies. Ça ne m'avait pas manqué. Oui, Shoma, c'est vrai. Tu sais que pendant un moment, j'étais une entreprise aussi. Avec mon nom et mon prénom. Hein. C'était ça, là. Je ne savais pas comment l'appeler à l'époque. Thierry, si tu es dans le chat, je m'occupe de ta commande tout de suite. C'est interactif. Ah, bah t'inquiète, Claude, moi aussi, je crois que je suis allergique au boulot. Ah, c'est peut-être ça, alors. Vu que j'ai comme un chemardé du boulot, c'était raccord. Pour ça que les médicaments fonctionnent pas. Ah, mais hey, c'est ma blague, ça. Moi, je suis allergique au boulot. Eh ben, on est tous allergiques au boulot. Ah, moi, je suis aussi allergique au con. Alors, tu imagines que j'éternue beaucoup, hein. Pardon. Oh, pardon. Pardon, c'était tellement facile. Je suis désolée, c'est sorti tout seul. Ah, puis j'ai... Jamais éternué en live, donc c'est qu'elle est en bonne compagnie. Bah oui, mais je les ai pas IRL. Regarde, Shoma et Cloud, ils se sont sentis concernés. Ah, d'ailleurs, mon magnifique t-shirt, vous croyez que c'est un t-shirt tout noir, mais non. C'est un t-shirt du seul et unique... Enfin, le dernier concert que j'ai été voir, c'est-à-dire il y a longtemps. Et que je ne mettrai jamais en public parce que dans le coup, il y a marqué fuck me. Voilà. C'est Gackt. C'est la tournée de Gackt. C'était, déjà, la tournée était très drôle. C'était Fried Chicken, je sais plus quoi. Ça me faisait beaucoup rire. Sauf que, après avoir acheté le t-shirt, tu vois qu'il y a marqué ça dans le cou, tu te dis, bah non, en fait, je porte pas ça. Hello. Bonjour Winry. Oui, bonjour, j'arrive. Pas de sushis. Bonjour, bonjour. J'ai encore pas commencé. Il y avait Pau. Et après, il y avait diététicienne pour dire que tout ce que t'avais pris au pot, c'était pas bien. Et après, il y avait acheté des bonbons pour le pique-nique de demain, parce que la diététicienne, elle a dit que c'était vraiment pas bien. Alors, en dehors que tu ne manges pas ce qu'il faut, est-ce que c'est bien les diététiciennes? Alors, c'est la diététicienne du boulot, en fait. La Sécu a un centre de santé où les assurés et tout ça peuvent venir pour faire des check-ups de santé gratuitement. Et il y a plusieurs spécialistes, on va dire, qui travaillent là-dedans, dont une diététicienne. Et en fait, là, pour les employés, on avait... la possibilité d'aller la voir et lui poser les questions si on voulait. Mais d'accord. En gros, on a fait un petit quiz pour savoir qu'est-ce qu'il fallait manger. Elle nous a donné des petites recettes et elle nous a donné une brochure sur le Nutri-Score. Elle était là avant toi, Cloud. Cherche pas. Ouais, c'est toi qui la suis. Je passe à ce piège.
D'accord. Ah. Tu l'as fait fuir, Winry. C'est encore le chat qui a fait des siennes. Et ben, je crois que tu as vu les stories, mais tu sais. Oui. Et moi, vous voulez ma vie de merde? Pour une fois, j'ai fait le ménage ce week-end, ce qui n'arrive jamais. Sauf que, à un moment, je me suis relevée, j'ai vu que mon pied était en sang. Ah merde, qu'est-ce que t'as fait? Apparemment, je me suis planté un morceau de fer dans le pied. Un tout petit, hein. Un tout petit, je ne sais pas d'où il sortait. Ça a été compliqué de le sortir, d'ailleurs, du pied. Oh. Parce que je ne l'ai pas senti, j'ai pas eu mal, et à un moment, je me relève, pourquoi il y a du sang par terre? La fille, what the fuck. Non mais voilà, je fais le ménage, je me perce le pied, tout va bien. Le ménage c'est dangereux. Hein. Mais au moins mes figurines elles sont toutes belles, toutes propres. Mon armée de licornes est propre, tout va bien. Et mes chiens sont perturbés parce que tout est rangé. Ah oui, parce que j'avais, comment dire, c'était un ouragan dans ma chambre par terre. Parce que j'ai des coussins partout et tout, je déteste ça. Et enfin, je déteste ranger. Hein. Là, du coup, j'ai tout bien rangé et tout. Et ils sont perdus parce qu'il y a plein de place. Et ils n'ont pas de plaid par terre pour se poser comme d'habitude. Ah bah bravo. Moi, j'espère juste que Momo, il a pas pissé encore à Hyrule. Je ne sais pas. Mais pourquoi il fait ça? Je sais pas. Depuis un moment, il pisse. Enfin, il. En fait, c'est pas qu'il pissait, il marche sur le territoire sous ma chaise et sous la chaise de Lino. Ah, ça fait comme Panda. C'est génial. Et vous avez changé de comportement quoi, récemment? Et oui, Shoma. J'ai une armée de licornes. T'es jaloux, hein? Avec l'arrivée du deuxième chat. Ah, peut-être. Ça, souvent, c'est... Oui, ça, il est jaloux et du coup... C'est vrai que la jalousie, ça joue, hein. Moi, je l'ai vu pour mes chiens. Il marque son territoire, c'est mes humains. Oui, c'est ça. Hein. Panda me le fait. Hein. Récemment, enfin, j'en ai déduit que les pipis qu'il faisait dans ma chambre, c'est par jalousie que ma chienne vienne aussi. Du coup, maintenant, elle dort avec ma mère et moi, je dors que avec Panda et il m'en fait moins dans ma chambre. Tout est stratégique avec les animaux. Hein. Et il est fier de lui. Parce que du coup, je le retrouve sous la fenêtre, les quatre fers en l'air. Il a son petit matelas à lui. Ouais, quand même, il était favorisé par rapport à ma chienne. Il avait son propre matelas sous la fenêtre, mais ça ne lui suffisait pas. Ça, c'est terrible. Mais c'est fou parce qu'ils s'entendent de mieux en mieux, les deux. Ah, moi, Mais t'inquiète, hein, moi, ils se surkiffent, hein, mais on me partage pas. Oui. Ok, Cloud, y a pas de souci. Merci pour le lurk. Les deux fonctionnent, donc t'as dépensé des points en plus, mais... Et oui, Shoma, il est fier, c'est ça le pire. Je sais pas ce que je fais, est-ce que je continue cette illustration? On vient déjà pas de base. Non, mamie, parce que j'ai muté tous mes Discord. Parce que ça me fait péter un câble. Du coup, depuis un moment, j'ai fait mon atelier quasiment constamment. Mais là, j'ai oublié, et voilà. Ouais. C'est le truc avec le truc sauteur, la licorne. J'ai fait aussi je pense. Au vinaigre, c'est pas mal, j'aime bien. T'as pensé à moi? Je sais pas comment je dois le prendre. Je dois être vexée? Eh, regarde, j'ai des licornes magnifiques, regarde. J'ai une licorne carpe coy, juste là. Mais j'ai des licornes, pardon, what the fuck? Genre, une licorne ramen. Et ma sœur m'avait offert ces deux-là. Il y avait une licorne burger. Et pardon pour le coup du micro. Et la licorne française, genre perruque et tout, là. C'est pas faux, je suis très maladroite, comme tu peux le voir, que j'ai juste encore cogné dans le micro, comme souvent. Ah non, non, celle-ci, c'est pas dans ma chambre, celles-ci, elles sont à côté. Ok. Attends. Elles sont juste là.
petites licornes. J'en ai que 4 ici. Le reste de mon armée, elle est pas là. C'est que je me suis mutée, c'est pour ça. Du coup, toi, Aya, t'es sur du Ghibli aujourd'hui? Bah oui. Bah, en fait, je suis pas convaincue par le dessin que j'ai fait la dernière fois en Ghibli, donc je sais pas ce que je fais. Je suis pas convaincue du tout, et ça me saoule. Et j'ai pas envie de refaire un truc qui me plaise pas, donc j'ai envie de partir sur un peu autre chose, mais je sais pas quoi. T'as un petit coup de mousse dans l'impression. Oui. Je sais pas trop. Peut-être parce que le Digi, j'arrive pas à trouver mon style et ça me saoule. Je sais pas. Et tu retenterais pas du tradi? Bah, c'est ce que j'ai fait avec mon renard. Il est trop beau d'ailleurs. Ah oui, le renard, oui, je me souviens. Excuse-moi. Mon cerveau, il fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai refait le renard, parce que j'avais besoin de revenir ouais. à la base. Bah, tu peux faire un autre, en gros, bah, un ridrow, encore, justement. Soit... Je voulais faire un truc du thème de Pompon, mais... En vrai, je suis désolée, Pompon, mais... pas convaincu par ce que je fais dans les trucs que tu proposes. Et d'ailleurs, oui, il y avait un thème pour ce mois-ci. J'ai complètement oublié. Bah, le Ghibli Month. C'était le Ghibli Month ce mois-ci. Ah, c'était... des sous. Des sous. Merci de Rennes. Pour le Prime. Pardon. C'est quoi, Pompon? Tu veux la liste du Ghibli Month? Ouais. Bah, c'est ce que je fais, non? Il y avait le Ghibli Month, le cosplay pour une personne en fauteuil. Ah, ça je l'ai pas fait. D'après le prénom. Ça j'ai zéro idée. Il y a plus ce qu'Isabelle a proposé comme thème. C'est faire ton personnage, mais. Enfin, un de tes personnages. Ah oui, un de tes personnages dans un autre. Dans un autre time. Ah oui, ça. Ah oui, mais pas de perso. T'es vrai. C'est reconductible en juillet, hein, parce qu'en vrai, on a tous fait le Ghibli Month. Mais c'est Ghibli! Bah ouais. Le truc, c'est que j'aurais bien aimé faire le Ghibli Month, mais j'arrive pas à faire ce que je veux, donc... Moi, j'ai faim. Voilà. Ah si, je vous ai pas raconté aussi. Vous voulez rigoler? J'ai téléchargé une application pour me faire penser de boire. Mais non. Mais si. Eh ben écoute, ces derniers jours, j'ai bu plus de 2 litres dans la journée, donc si. Oui. Mais qui est plus? Je sais pas. Bah en fait, je veux... Comme application, du coup. Je sais même plus comment ça s'appelle. Attends. Désolée, je vais vous faire bouger la caméra. Honnêtement, j'ai tapé sur Play Store. Terrain, il veut que je paye le resto avec les 50 balles des Prime. Nice. Alors, l'appli s'appelle... dans un moment. C'est juste Drink Water Reminder. Ça fait quoi, ça t'envoie un pop-up, ça? Ouais, t'as un petit... Alors, quand tu mets le son, en fait, t'as un petit son d'eau, en fait, qui coule pour te rappeler de boire. T'as trop envie de pisser. Bah, de toute façon, vu que je bois plus, je suis plus obligée d'aller aux chiottes, donc ça change pas grand-chose. D'ailleurs, c'est insupportable, ça. Mais en vrai, je veux faire au moins ça pendant 15 jours, parce que on m'avait dit d'attendre à peu près juin pour redonner mon sang, étant donné qu'il faisait trop froid. Et c'est aussi pour aider à trouver mes putains de veines qui ne se montrent pas. Oui. Donc j'essaye de boire, et après je reviens à un cactus, et puis c'est tout. Bah, sinon tu peux garder les bonnes habitudes. Non, c'est chiant, faut aller aux chiottes. Franchement, c'est trop chiant d'aller aux chiottes tout le temps. Puis, regardez, là j'ai à boire à côté. Comme ça, Inou, elle pourra pas m'emmerder, m'obliger à me bouger mon cul. Bon, c'est du holly, mais j'ai à boire. Meta, t'as essayé. Tout le monde m'en dit du bien grâce à leurs OSP. Mais moi j'ai. Alors,
Moi, j'ai testé parce que du coup, Ted faisait partie des premiers à se faire sponsor avec Alpha. Et du coup, j'en avais reçu. Et ben, je suis pas déçue et je recommanderais. Et ma mère aussi. Franchement, c'est bon. Et quand t'es comme moi, que tu bois pas grand chose, ben, au moins t'as pas le goût de l'eau. Enfin, le truc qui a pas de goût, quoi. Et moi, mon préféré, c'est hibiscus açaï. J'ai goûté le pêche, je sais plus quoi. Pêche nectarine, je crois, un truc comme ça. J'aime moins. Là, il y en a un nouveau qui est sorti. Raisin hibiscus, je crois que je n'ai pas encore goûté. Et après, j'ai pas goûté les énergisantes. J'ai goûté... C'était quoi? Il y en avait un à la mûre et un à la pomme. J'aime moins. C'est pas ce que je préfère. Le hibiscus reste mon préféré. Après, si tu veux des codes, hein, je connais plusieurs streamers qui en ce moment. C'est pareil, je pense que j'ai assez de gens qui sont en sponsor. Mais il y a des petits streamers aussi. C'est pour ça que oui, oui, il y a des plus petits streamers qui le font. C'est pour ça que je pense que si jamais je cherche, je dois pouvoir trouver. Oh, ben t'as même pas besoin de chercher, tu m'envoies un PM. Et je te... C'est encore mieux. Parce que franchement, ça vaut le coup. Puis régulièrement, il y a des promos. Et si tu veux même juste pour tester, tu prends le tout petit pack avec un des codes. Tu sais, quand tu fais ta toute première commande, je crois que t'as 5€ d'offert. Ce qui te couvre les frais de port si tu fais un truc en dessous, tu sais, du palier des frais de port. Donc c'est toujours pas mal. Et en fait, dans le tout tout petit truc, tu peux avoir 9 dosettes avec 3 goûts, je crois. Je crois que c'est ce que j'avais eu. Et du coup, bah, ça te permet de tester exactement la dose qu'ils conseillent pour la taille de la gourde que j'ai montrée tout à l'heure, je crois. Et ça te permet de voir quel goût tu préfères le mieux avant d'acheter un gros sachet, quoi. C'est pour ça que ça, c'est pas mal. Mais je ne suis pas sponsorisée, hein, je le précise. Tu pourrais. J'ai juste l'habitude parce que je suis modératrice. Oh, non. Déjà que je me fais, déjà que je me fais pas de pub, comment veux-tu que je sois sponsorisée de quoi que ce soit? Parce que le pouvoir de ta commu grandissante te fera aller très bien. Ma quoi? À quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la dame? Elle communique mais je comprends pas. J'ai faim. Comment il est le sorte de renard, je sais pas quoi là, dans nos icœurs. Teto. Merci. Renard et... ouais, ça. Pas encore, Shoma, pas encore. Ni la SPA ni le Hellfest. Hein. Regarde, là c'est mon t-shirt de Gax. Attends, tout noir. Mais il y a des trucs rouges sur le côté en fait. Une bûche qui est marquée. C'est à l'envers. La flemme. Je sais juste ce qui est marqué dans mon cou. C'est déjà trop. Oui, parce que Shoma m'a acheté le t-shirt du Hellfest. Mais le t-shirt du Hellfest de la SPA. Il est trop gentil. Bah, exactement. Bon, il y a un chat dessus. C'est le seul problème. C'est le seul problème. Mais comme j'ai dit... Oui, c'est un problème. Après, j'ai dit que c'est raccord avec le Hellfest, l'enfer, les chats. Exactement. Ça me rappelle la série de BD qui s'appelle Hellfest. Ah ouais, je connais pas. Il y a aussi un putain de chat qui existe d'ailleurs. Je t'ai donné une souris pleine de friandises pour pas que tu ailles sur mon clavier. On parle de chat des enfers. Hein. Obligé de nous venir montrer que c'est vrai. Exactement, Shoma. Preuve, je donne tous les mois à la SPA.
je peux pas. Disons que si je faisais moins d'heures, par exemple, je pense que si j'étais aux 35 heures ou un peu moins, je pense que je ferais du bénévolat. Mais là, avec mes 37 heures, quand j'arrive du boulot, j'ai pas la foi de ressortir pour faire du bénévolat. C'est pas bien, hein, mais bon. Ouais. Encore le revenu universel. Arrête de fanfan. Oh bah oui, tiens, tu viens d'apparaître sur mon écran. J'étais chez... J'étais en lurk chez lui. Bonjour les raids. Je suis pas modo chez toi. Je peux pas te faire un shoot-out. Attends, je fais un shout-out. Un fanfan. Mais tout le monde connaît fanfan, parce que de toute façon. Bah en fait j'étais chez lui en lurk, donc oui. Voilà. Hop là. Ah, j'ai pas mis le SO moi. C'est le truc officiel maintenant. Bah non, c'est slash shootout. Ah, ça c'est pas le truc officiel. Ah bah alors je sais pas, c'est le truc de Wazebot peut-être. Ah oui, c'est Wazebot. Moi j'ai pas pu venir en lurk parce que je suis venue directement après le cours. Et moi, j'ose jamais rien dire sur ton chat, je suis désolée. Donc je sais même pas ce que tu fais, je sais pas si tu travailles pas sur ta vidéo. Oui. Mais oui, j'ai osé une fois IRL. C'est déjà beaucoup pour moi. J'avoue, surtout que Fanfan. Il y a longtemps. J'avais Ça veut même dire que donné tu ça. si tu ne parles pas, t'as même pas les consonnes. Bon, faut parler maintenant. Je sais pas. Ah, t'es déjà sur le troisième. Oh là là. Oh, mais trop Là, bien, ici, Chemin! on fait une module studio. Donc, tous les mardis, dessine tous ensemble avec Aya, notamment. Moi, qui ose pas parler sur ton chat. Il n'ose pas parler, donc je vais quand même lui faire de la pub pour que vous Non. allez l'embêter. Faut pas. Il y a aussi Bonjour qui ne veut actuellement pas streamer because l'informatique c'est nul. Parce que son Mac veut pas faire les mises à jour. Voilà. Et je crois que. C'est très bizarre comme phrase. Je crois que j'ai pas du tout les liens d'Isabella, donc je suis désolée. Non, j'en ai pas dans tous les cas. Pas ton Instagram que je vais mettre dans le chat. Oh, Pas de soucis, enfant. Merci pour le raid et bon jeu à toi. Et donc, bonne game! si jamais je fais le défi que nous a donné Isabella, que vous voyez l'Instagram qui s'affiche ici présent grâce à Ponchounet, qui propose de prendre un de tes personnages préférés et de le mettre dans une autre temporalité. Donc j'ai pris deux de mes trucs préférés, aka Winry et l'Égypte antique. Bien. Donc pour le moment ça ressemble à rien. J'espère qu'à un moment ça ressemblera à quelque chose. Mais Ah oui. mais il y a déjà le profil. C'est bien parti. Merci Et du pour coup, le lurk, mamie. parce que c'était hyper Inno, elle avait... codifié comme. Ouais. Inno, elle avait pas pris l'Égypte aussi d'ailleurs. Je me souviens pas, sûrement, peut-être. En fait, on va changer le. Non, parce que je. Alors, même si c'était une période que je kiffais, je la boude depuis que je suis allée dans le pays. Ah, Ça aurait été rigolo de transformer tout ton personnage en papyrus. j'avoue. Il est trop bien ton robot. Merci. Il est tout rond. Ouais, il a l'air sympa. C'est le robot de la Piuta. Ouais. C'est un peu Mais comme je sais pas, ça. il a l'air encore plus sympathique que dans le. Bah, il est pas vénère à ce moment-là, c'est tout. Puis, par contre, ce thème-là, esprit de la forêt, mais faut en choisir un, quoi. Bah, du coup, j'en fais plein. Parce que quasiment dans tous les Ghibli, t'as un esprit de la forêt. Je vais juste pas refaire ce que j'ai déjà fait, genre. À coup. Faut pas refaire à coup. Et les Noiraudes. Même si ce Après serait là trop drôle. c'est esprit magique.
Bah, ils sont tous magiques, hein. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Le thème, précisément. Mais oui, après, voilà. Il y a le choix. Le livreur a encore frappé. Bah, c'est bien, bon, s'il frappe. Non, justement, il n'a pas frappé, c'est le problème. Ah, ah oui, ouais, du coup, tu peux pas dire qu'il a frappé alors. Bah, oui. Bah, il vient d'avoir le message que quoi il a essayé de passer alors qu'on est là et qu'il n'y a personne qui a sonné. Ouais. Le coup classique, quoi. C'est... Moi, c'est rigolo parce qu'ils peuvent plus le faire. Parce que, enfin, là, en ce moment, ils vivent les jours où je suis en télétravail. Du coup, je les vois arriver. Ils peuvent pas faire ça parce que je suis déjà dehors et mes chiens sont en train de leur gueuler dessus. Bah, c'est... Enfin, c'est même pas sûr qu'ils soient vraiment passés devant l'appart en vrai. Hein. Ça se trouve. Ça se trouve, il a juste vu l'heure et il a fait ah non. Vite, il faut que je débauche. Non, c'est pas ça. Bah, je pense que c'est exactement ça qui s'est passé. Aïe aïe aïe. Bah, moi, de toute façon, il passe que le matin. Donc, comme ça. Oh, d'ailleurs, j'ai une idée à la con pour des récompenses de points de chaîne. Oh. Parce que, soyons honnêtes, on a rien en récompense toutes. Enfin, moi, j'ai pas grand chose, j'en ai une. Et du coup, je me suis dit, je pourrais me faire, bon, ce serait un petit malus, mais pas un malus trop chiant. Parce que j'ai regardé sur Amazon, c'est pas très cher. Acheter des lunettes de soleil colorées. Genre plein de couleurs. Et du coup, t'es obligé de dessiner avec ces lunettes de soleil. Et la personne choisit la couleur. Et du coup, ça te fait un malus quand tu fais tes couleurs. Ah oui, si t'as des lunettes rouges. Comment tu fais correctement tes couleurs ? Ah bah oui, pour toi non, mais moi parfois on me voit, et puis là en l'occurrence je mettrais pour... L'idée est pas mauvaise, oui. Ouais, ça fait un malus rigolo. Et au moins les points ils serviront à quelque chose. D'ailleurs, Shoba, t'aurais pu juste me demander en message privé hein, pour le chibi, hein. T'étais même pas obligé d'utiliser avec tes points, hein. Même si je sais que t'as beaucoup de points. T'es rendu à combien de points, Shoma? Parce que toi, t'es en tier 3 dans mes souvenirs. D'ailleurs, encore merci. Hein. Ouais, c'est ça. Putain, il lui reste encore 50k. Il vient d'utiliser pour faire la récompense, il a encore 50k. Tout va bien. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Kiki. Ça va. C'est compliqué, mais il a trop de choses en ce moment, donc c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous dernièrement. Moi, je lui ai envoyé un hug. T'as fait un câlin ? Parfait. Non, mais ça fait bizarre de ne pas voir Kiki. Ça m'a dit, oh, je suis désolée de ne pas passer en ce moment. Je lui ai dit, Imhotep, mais voilà, on pense à toi. C'est ça. Bah, c'est ça, c'est un peu pour ça que j'ai envoyé un message aussi. Parce qu'on en avait parlé. Et... Moi, ça fait bizarre, parce que quand même, quand toi t'es pas là ou que Kyrian n'est pas là, ça reste quand même, entre guillemets, l'équipe de base anciennement de Picarto. Donc, ça fait bizarre. Oui, Shoma, si t'as envie de dépenser, dépense. Hein. Écoute, profite. C'est là pour ça. Tu gagnes des points, hein. Faut bien que tu t'amuses avec. Je disais juste que tu aurais pu ne pas les utiliser. Hein. Tu m'as quand même acheté un beau t-shirt. Je réfléchissais justement ce que j'aurais pu te faire. Bah, maintenant je sais, mais t'as utilisé tes points. Donc. Maintenant, le problème, ça va être de récupérer le t-shirt. Quand deux ermites qui ne sortent jamais doivent se donner un objet. C'est rigolo. Hein. Ah, tu peux faire travailler la poste. C'est ce que je lui ai demandé. Alors la poste... Mais bon, on sait tous que c'est compliqué. Non, en vrai, j'ai pas eu de problème dernièrement. Moi, la poste, ça va. C'est
pas celui avec qui j'ai le plus de problèmes. Toi qui as vu ma story tout à l'heure, sache que la banque en question, c'est la banque postale. Ah non, mais... Alors, par contre, j'ai pas de oui, je t'aurais fait un dessin en fait en échange, Choma. Par contre, à chaque fois que parce que j'ai pas grand chose d'autre moi, à proposer. Pour un truc de courrier, je me retrouve avec soit le père de famille qui veut son le truc de téléphone portable, soit le machin qui veut le truc de la banque, soit le machin. Et genre aucun guichet qui est disponible pour envoyer un punaise de courrier. Et ça me saoule un petit peu. C'est... Bah, t'as un truc automatique maintenant pour ça? Oui, alors pourquoi je voulais pas le faire automatique? Ah bah oui, mais en fait quand t'arrives avec ton truc tout prêt, t'es obligé de retaper tous les trucs automatiques. Ah bon? J'ai jamais eu à taper l'adresse, moi, je crois. Je sais pas, j'en vois pas souvent des trucs, hein. Enfin, la dernière fois, c'est même pas ça. C'est que j'avais même pas un truc à renvoyer. C'était qu'ils s'étaient gourés dans la livraison et que je voulais qu'ils récupèrent leur truc et je voulais être sûr qu'ils le récupèrent bien. Du coup, je voulais quand même que le donner en main propre. Ouais. Je le posais n'importe comment. Logique. Mais j'ai mis un quart d'heure à avoir quelqu'un juste pour déposer le truc en main propre. Ouais, ouais. Suivant quel bureau de poste, c'est pareil. Je préfère donner en main propre et je sais que quand j'avais été. Au vieux bureau de poste en centre-ville, j'ai attendu 15 ans juste pour un truc. Pareil. Mais bah après, il est joli ce bureau de poste. J'y vais pas souvent. J'aime bien parce que tu sais, c'est un centre-ville historique. Donc du coup, t'as les vieilles pierres et tout. Et c'était vraiment un bureau de poste initialement, ce bâtiment-là. Donc c'est joli à voir au moins, une fois de temps en temps. Aussi, le bureau de poste de Beauvais fait partie de la visite historique de la ville. Hein. Il y a sur le fait que il soit très joli. Non, mais je veux dire... C'est la poste. C'est un peu le... C'est ça. Quoi. Eh ben, c'est le principe. En général, je vais au centre de tri, moi, qui est plus proche de chez moi. Il ferme plus tard, en plus, donc c'est bien. De quoi? Ah oui, il pleut. Ah bah oui, oui. Pleut. Ah, c'était très drôle, ce midi. L'orage, il était au-dessus de nous, si tu veux. Je vais rentrer. Attends, je ferme. Vas-y. Tu voyais la lumière, t'entendais l'éclair juste après, donc il était vraiment au-dessus. Et mes chiens sont venus. Bah, ils ont voulu sortir, mes chiens, avec l'orage. Et puis ils se sont rendus compte qu'il pleuvait. Ils ont fait demi-tour aussitôt. C'était très drôle. Le chat fait pas du tout le même. Et ils ont eu peur aussi. L'orage était assez violent là aujourd'hui. Donc, y a ma chienne qui a pas arrêté de me coller toute la journée. Il dit si ça va tomber, je regarde, je fais wouf. Et en fait, on est rentré dans la voiture et littéralement 2 minutes après, la grosse douche, tu sais, le truc tombe comme des seaux quoi. C'est ça. Et tu fais ah. Ouais, je vois très bien, ça me fait ça. Ça fait plusieurs jours qu'on a ça en fait. C'est genre ce grand soleil et tout, il fait un peu lourd, et tout d'un coup, la douche. Tu sais que ce midi, parce que du coup, à cause de l'orage de ce midi, j'ai pas pu prendre ma douche. J'ai hésité à aller dehors, sortir le savon là, vu comment il pleuvait. Au moins, j'aurais économisé l'eau. J'avoue, c'est écolo. C'est ça. C'est plus écolo que pisser dans la douche et se doucher dans la C'est vrai. Mais bon, je l'ai pas fait, finalement. Je cherche une fleur, une jolie fleur. Donnez-moi une idée de fleur. Non, c'est moche. Bon, j'en ai pas fait beaucoup là. J'ai pas beaucoup avancé dans ton carnet. Non, mais je cherche une fleur. Quelle fleur pourrait être sympa? Est-ce que Aoru offre une fleur à Sophie à un moment? Bonne question. Ouais, moi aussi je vois, mais je sais plus s'il y a des fleurs. Peut-être à la fin.
C'est très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça me déprime un peu à chaque fois. Non, mais moi, c'est le film que je regarde quand je déprime, justement. Ah non, la dernière... pendant un moment, c'était... Pendant un moment, c'était Orgueil et Préjugé. Et je crois que la dernière fois, c'était Heartstopper. Il est trop bien. Oui, je l'ai vu. Il est trop bien, hein, Pompon. Ah. Et tu as lu ou pas? Ah oui, moi j'achète exclusivement les livres. Ah. Bah moi j'ai lu sur Webtoon, je les ai pas encore achetés. Ah non, j'ai fait tous. Les trois prochains qui vont sortir aussi, j'ai hâte. Tu m'étonnes, ils sont trop bien. C'est tellement adorable, franchement, c'est le bon feeling là, comme il faut. Et là d'ailleurs j'ai lu un webcomic pareil où t'as du bon, enfin au final moi ça m'a donné un bon feeling un peu genre Heartstopper. Alors le titre c'est Love Tractor, cherchez pas, hein. C'est parce qu'il y en a un qui est paysan, hein, dans le lot, hein, dans les deux. Et c'était pareil, c'était bon, c'est comme un peu du même genre Shonen Ai tout choupinou et ça fait du bien toi. Alors il est disponible techniquement sur Tapas. Je dis techniquement parce qu'il n'est pas disponible pour notre région. Mais moi, je l'ai lu ailleurs. Et j'ai découvert après qu'il était sur Tapas. Donc, ils font pas d'efforts à la Tapas. Hein. Franchement, bloqué sur des régions, là, c'est chiant. Par contre, ça me saoule. Pour des bonnes séries comme ça, c'est chiant. Après, en bonne série récemment, j'en ai beaucoup trop. Mais celle-ci, elle m'a plus marqué, on va dire, dans le côté Good Vibes. Oh, mais il est 18h! Le surimi! Alors attendez, il faut que j'aille donner le surimi à mes chiens. Je reviens. Oui, tiens, par contre, le chat de Aya, on va tous poigner le mot surimi. Est-ce que j'ai le mot surimi? Monsieur Rémi, moi aussi il faut que je vous aide. J'ai fait exactement la même chose. Non, laisse pas mettre. C'est parti! Là, il y a plein de souvenirs qui vont apparaître à l'écran. Vous avez un mur, il va y avoir un mur de souvenirs sur son chat. On fait l'animation pour la preuve. Ah merde, tu mets pas le casque. Oula! Oula! Je me vais alarmer. Oui, Pompon, ils ont eu leur surimi, promis. Et moi, j'ai pris un morceau de chocolat. Avec des morceaux de poire. Joue à ça. Est-ce que t'as des mots de chocolat? Non, j'ai pas des mots de chocolat. T'as le bonjour de maman, Pompon. Elle a presque fini ton livre de coloriage, Alice. Non, et puis le Japon. Ah non, le bouquin, le carnet, pardon. Dernière page. Le carnet de voyage du Japon, elle a bientôt fini. C'est super, c'est bien. Et elle adore, elle dit que c'est super joli. Excuse, je dois lire partiellement ses lèvres parce que j'ai le casque et de la musique. C'est un peu compliqué. Elle pourrait juste écrire sur le chat sinon. Hein. On se rapproche du micro. On l'entend un petit peu. Long. Ouais, parce qu'en fait, elle parle très fort. Non, mais c'est cool.
Si elle arrive jusqu'au bout, c'est bon signe. Ah, mais globalement, les gens sont contents. Hein, faut que je lise. J'arrive pas à me mettre dans les bouquins. Et pourtant, il y en a un que je veux lire, absolument. C'est Even Official Blessing, là, j'ai reçu le dernier tome. Bah oui. Bah oui. Bah oui, je. Vu la couverture, oui. Oui, oui, je veux savoir. Mais j'arrive pas à me mettre dedans. Donc je pense que je vais faire comme les autres fois, je vais me remettre l'animé et puis après ça va me donner envie de tout relire. Parce que toi t'as vu... En fait, ouais, t'as eu que la surface de l'iceberg. Hein. Tout à fait. Ah bah ça plairait peut-être à Isabelle, ça. Ah oui, peut-être. Est-ce que tu as regardé l'animé Even Official Blessing sur Netflix? Alors, non, c'est que, en fait, si tu veux, c'est l'équivalent du tout premier bouquin, à peu près. Il y a actuellement 5 bouquins, si je me souviens bien, de sortie. Parce que le tout dernier vient de traduit en anglais, le dernier en anglais est sorti avec les belles illustrations en mai. Donc, tu vois, c'est pas fini de sortir, en fait, même en Amérique. Après, je crois qu'il y avait une autre version, mais pas joliment illustrée, tout ça. Moi, j'attends les belles illustrations parce que j'adore. La dessinatrice, elle est sur Twitch d'ailleurs. Je crois que c'est elle qui fait les couvertures. Je sais plus si c'est elle qui fait les couvertures ou les illustrations à l'intérieur. C'est Zelda CW, si je me souviens bien. Et en fait, il n'y a pas que Even Official Blessing. C'est juste que c'est le seul qu'on a sur Netflix. L'auteur qui a du coup écrit cette série a aussi écrit... The Grand Master of Demonic Cultivation en français, je crois que c'est tout simplement le maître de la cultivation démoniaque, un truc comme ça. Parce que ce titre-là est sorti en français en décembre. C'est la même auteure et c'est trop bien. Si tu aimes le Boys Dog et tu aimes l'univers de la cultivation, bah jette-toi dessus. Hein. Je peux te dire que ça, hein. Ça a aspiré mon âme, j'en ai acheté des figurines, je les ai lues au moins 3 fois l'année dernière. Voilà. Je peux pas dire autre chose. J'ai même regardé l'animé qui est censuré, j'ai regardé aussi le drama qui est censuré aussi, c'est très frustrant. Faut lire les bouquins. Et même le manhwa, il est censuré. Mais la dessinatrice qui a fait le manhwa, sur son Twitter, publie des versions non censurées. elle a refait tout en noir et blanc, elle a refait des pages du coup qui ont été enlevées. Ça enlève un peu toute la relation des personnages, donc c'est un peu con. Elle a fait justement toutes les scènes qui ont été enlevées, les a fait en noir et blanc et les publie sur son Twitter. Cool. Ok. Si jamais, hein, moi je te conseille cela. Je te dis, hein, ça m'a bouffé mon âme. Hein. Mais dans les deux. L'auteur a sorti une trilogie, si tu veux, sur ce thème-là. L'auteur, c'est Mo Xiang Tong Xiu. Si je me souviens bien, ça se prononce comme ça. Et du coup, t'as. Je peux même te donner les titres en chinois, mais c'est plus simple que je te les donne en anglais. T'en as un autre, c'est Scum Villain. Je sais plus quoi. Je connais pas le titre en entier parce que je l'ai juste commencé. Et lui, c'est un peu bizarre parce qu'en gros, ça va. Ils aiment bien faire ça, les Chinois. C'est d'abord dans un temps actuel. Et soit tu meurs, soit tu te réincarnes, des trucs comme ça, mais t'arrives dans les temps anciens. Et parfois, ça, c'est un peu genre en mode jeu vidéo, quoi. T'arrives dans le jeu ou dans le bouquin que t'étais en train de lire et tu dois essayer de faire fonctionner l'histoire, quoi. C'est assez rigolo. Mais j'ai pas accroché sur cette version pour l'instant de cet auteur. Mais par contre, j'en ai plein comme ça sur plusieurs applications de webcomics que je lis. Qui sont très très bien, très très sympas. Et coucou Anna! Hello. Oui, en ce moment, je suis à fond dans tout l'univers de justement cultivation. J'en ai trouvé plusieurs sur... dans les webtoons ou les webcomics, suivant les applications
Il y en avait des vraiment très très intéressantes. Bah sur ta passe, sur ta pastique, tu avais... Attends, merde. C'est un des premiers que j'ai lu. Attends, faut que juste que je retrouve le titre parce que comme il est fini... Et abruti de téléphone, sors-toi de la veille. Non, je peux pas. Ah, voilà. C'était avec un démon renard, il était trop pipou. Renard ? Oui. Je sais, c'est pour ça que je l'ai dit. Non, en vrai, ça fait partie des rares séries où j'économisais vraiment mes points exprès pour les débloquer chaque semaine. Hein. T'avais deux séries comme ça, une sur la cultivation et une autre avec, pareil, des démons. Enfin, des démons, ouais, c'est relatif, hein, ça dépend. Ça dépend des genres, on va dire. Alors, attends. Faut juste que je le retrouve et je te dis ça. C'était My Demon Enemy ou un truc comme ça. Bon, je sais qu'il y a démons dans le titre. Oui, je cherche souvent des trucs avec des démons. Bon, j'ai beaucoup trop de favoris dans ce truc. Ah. Alors, c'était The Cultivator and His Contract Demon. Elle était trop adorable, cette série. The Cultivist and the Yuzmando. Bah oui, au final, c'est des Yuzmando, mais... En même temps, tu regardes mon tapas, je crois que c'est quasiment que du BL, donc je cherche pas. Quasiment... De toute façon, j'ai quoi j'ai trois applications que j'ouvre tous les jours pour débloquer mes chapitres, et c'est que du BL. Donc que voulez-vous que je vous dise hein. Je suis désolée. Hein. Mais c'est trop bien. C'est moins déprimant que les shoujo. Ah mais moi, les shoujo, ça me déprime. En plus, en fait, les derniers shoujo que j'ai lus, enfin non, il y en a quelques-uns qui étaient drôles, genre Takane Towana, celui-là, il me faisait rire. Ça doit faire partie des derniers que j'ai dû lire. Mais autrement, la plupart, ça me déprimait, c'était trop gnangnan et tout. Au moins, avec les boys life, bah, c'est pas que du gnangnan. Bon, il y en a, hein. Mais pas ceux que je lis. Ah mais par contre aussi ce qui me fait rire c'est tout l'univers avec les alpha, enfin l'omégaverse. L'omégaverse peut être drôle parfois. Bon il y en a qui sont horribles, malheureusement je suis tombée dessus. Mais t'en as beaucoup qui sont très très drôles. Bah c'est qu'en fait au lieu d'avoir seulement deux genres, tu en as trois. Les alpha, les bêta et les oméga. Et en fait ça peut être très bien des filles que des mecs, ça change rien, c'est juste que bah... la reproduction, c'est entre les alphas et les oméga. Et le problème, c'est que c'est très... comment dire ? Ça se rapproche plus des animaux, avec des périodes de chaleur, des trucs comme ça. Et des périodes de rut. Donc je te laisse imaginer ce que ça peut donner parfois. Ne tombe pas sur cela. Mais j'ai appris des choses très étranges. Les animaux en russe. Oh, mais écoute. Je suis pas là. C'est pas elle, c'est moi. Elle peut m'accuser, je m'en fous. Y a pas mon vrai pseudo. Personne me connaît, je fais pas de pub. Je suis personne. Osef. Oh, ça va, elle va pas être traumatisée non plus. Et par contre, si le Even Official Blessing, si t'as pas, on va dire, poursuivi l'animé sur Netflix, si jamais tu veux lire les scans, légalement, je précise avant qu'on me demande, c'est légal, ceux-là. Ils sont 1000 fois plus beaux visuellement que ce que tu peux voir dans la... Déjà, l'animé, il a des très belles scènes, et ben les scans sont encore plus beaux. Et c'est l'application Bilibili. Il est sur smartphone. Excuse-moi, j'ai l'oc en même temps. Et là, en plus, il recommence à publier, donc c'est trop bien. Et c'est trop bien. Ils sont même plus loin que l'animé. Ils sont rendus... Je me demande s'ils sont pas proches du troisième bouquin. Je suis pas sûre.
Donc dans tous les cas, ça avance beaucoup plus. C'est trop beau. Qu'est-ce que tu racontes de beau, Shoma? Non, pas Shoma. Enfin, si, Shoma aussi, mais je voulais dire Wana, mais je suis fatiguée. Parce que Wana a parlé à Shoma, et du coup, j'ai lu le pseudo de Shoma. Tout va bien. Laissez-moi dormir. Ah, t'as pris des coups de soleil, Shoma? Entre les orages. C'est balou. Pas moi. Moi, j'étais au chaud sous la couette pour regarder mes concerts du Hellfest. C'était pas mal aussi. J'ai pas eu la foule. J'ai pas eu de cocard. J'ai pas vu tous les concerts, certes, mais... Oh, j'ai pas... Mais oui, franchement, moi, j'avais... J'en avais trois que je voulais absolument voir, et je les ai vus. Donc, parfait. C'était celui de Papa Roach, qui était vendredi soir, à 19h. Dans la nuit, tu avais, à minuit 50, Sum 41. Donc, c'était trop plaisir de les entendre. Surtout qu'ils ont fait les vieux titres avec lesquels je les ai découverts, donc ça faisait trop plaisir. Et puis j'avais Hailstorm, qui devait être le samedi après-midi, mais qui est passé du coup le dimanche, et c'était trop bien. Elle a commencé quand même sans aucune musique, juste en a cappella, tu sais, à envoyer que avec sa voix. Ah, putain. C'était trop classe. Donc comme je disais, j'étais un peu déçue, c'était moins d'une heure le concert, mais bon, en même temps, vu comment elle a donné de sa voix, ça m'étonne pas. Et le batteur, il était très drôle. Franchement, de temps en temps, tu le voyais arrêter sa batterie avec sa tête ou son pied. Tout va bien. Il s'amusait avec ses bâtons aussi, régulièrement. Il les lançait, mais il arrivait à les rattraper. Tout va bien. Et à un moment, il a eu tout un moment où il a fait un solo, du coup, avec sa batterie. Et il a sorti des bâtons. Enfin, des. Ouais, je peux pas dire autre chose. Pour taper sur sa batterie. Le modèle au-dessus, genre comme si c'était un nain qui essayait d'avoir des bâtons, je sais pas, de 1 mètre pour taper sur ses batteries. Et il arrivait à faire un truc trop bien aussi. Franchement, ça a trop de force un batteur, c'est impressionnant. Mais c'était très rigolo. Moi j'aime bien. Après, comme je disais, c'est un peu dommage que j'ai pas vu... le groupe de Johnny Depp et le groupe de Jack Black, ça aurait été rigolo, mais bon, c'est pas grave, j'avais déjà ces trois là. Ah bah c'est cool ça, Wana, au moins tu rentres chez toi. Oui, mais en même temps, Shoma, oublier sa couette alors que tu vas faire du camping, c'est un peu compliqué hein, à ce niveau là hein. Moi je peux plus rien pour toi hein. Parce qu'il voulait que je lui en amène une. J'ai dit, oh, ça, je vais pas faire 2 heures de route. Je peux même pas aller voir le concert. Parce que j'étais pas loin. À 2 heures, c'est ok, quoi. Mais je vais pas faire un concert. Enfin, je vais pas aller dans un endroit où je ne pourrais pas rentrer pour voir les concerts et faire de la route et dépenser de l'essence pour rien. Voilà. Enfin, pas pour rien. Je t'aurais apporté une couette. Mais bon. Voilà, quoi. Comprends. J'ai fait le ménage et je me suis coupé le pied à la place. C'est une autre façon de faire. Tu sais que j'ai regardé à vélo combien de temps c'était. Hein. C'était compliqué. Bah non, Shoma, ça se fait pas ça. De toute façon, je t'ai dit, j'aime pas la foule. Les gens, ils sont pas bien. Ils sont méchants en ce moment. Mais en plus, Shoma, je crois que t'étais le seul modérateur que Ted n'avait pas encore rencontré.
Donc ça y est, maintenant il nous a tous rencontrés. Oui, on est ses modérateurs depuis des années, mais moi je l'ai vu pour la première fois en 2021. C'est pas comme si on faisait des trucs IRL. Ah, il t'avait déjà vu, Chemin. Ah, alors c'est Gamer Assembly, je crois, GA et DH, je sais pas. Parce que je sais qui fait les Gamer Assembly. Dreamhack, ok. Ça fait vraiment comme la BD Papyrus, c'est rigolo. C'est quoi ? Ton dessin. Ah, oui, j'essaye. Ben voilà. Mais c'est compliqué parce que du coup, pour faire la coiffure, ils ont généralement un gros truc sur la tête. Mais là, comme elle a une queue de cheval, c'est compliqué. Parce que généralement, on voit pas spécialement le cou, tu vois. Moi, si je devais faire pareil, justement ce que vous faites, mais bon, faudrait que je trouve un personnage pour. Ce serait d'époque victorienne anglaise, je pense. J'adore les fringues de cette période. Bon, même en si. Fait, si j'avais le niveau, ça ferait. C'est aussi. Mais je sais pas ce que j'ai avec cette période. Hein. Je pense que. Bon, pourtant, je lisais pas tous les bouquins et tout de Jane Austen et tout autrefois, mais j'ai un truc avec cette période. Je sais pas. Bah, c'est comme les Sherlock, hein. Pareil, hein. J'aime bien, je sais pas. Pourtant, c'est une période horrible, hein. Si tu réfléchis bien. Et on était traités comme de la merde. Bon, ça change pas grand chose, mais c'était pire. Ouais, j'ai envie de dire, ouais. Oui, c'est pour ça que je dis ça change pas grand chose, mais c'était pire, c'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi tu veux pas tourner, toi? Ah, il y a ma mère qui a vu le médecin et il a dit qu'il fallait que j'aille le voir. Mais j'ai pas envie d'aller le voir. Il me casse les pieds. Non, parce que comme je fais des allergies, il dit, bah, je pourrais te donner un médicament. Ouais, mais il faudrait que j'aille le voir pour ça. Je sais pas quand je l'ai vu la dernière fois. Bah, je suis pas malade, pourquoi j'irais le voir? D'accord. Parce que t'as des allergies. Oh, mais c'est chiant. Bah, les allergies, c'est chiant aussi. Oui, mais bon, à chaque fois, il y a une heure de retard pour aller voir les médecins. C'est chiant. Faut qu'il soit ponctuel dans ces cas-là. Mais les médecins ponctuels, ça n'existe pas. C'est comme les médecins qui savent bien écrire. Ça, je ne peux que confirmer. Panda, t'es chiant. Sa réponse, c'est ouf. Bah, je trouve aussi. Et oui, Shoma, mais il faut aussi que j'aille chez l'ostéo depuis plus de 6 mois. Voilà. Mais c'est qu'au bout d'un moment, tu t'habitues à la douleur. Alors. Voilà. C'est comme les allergies, je m'étais habituée à plus en avoir, moi. Et sans avoir aucune médication. Je m'étais réglé ça à la dure. Tu souffres et puis tu attends. Mais j'en avais plus. Mais c'est revenu. Le tien est ponctuel, Wana ? Bah t'as bien de la chance.
Même pas peur, Shoma. Bah, moi, même quand tu prends un rendez-vous le matin, il est pas à l'heure. Je sais pas si je l'ai eu une fois à l'heure. Du coup, j'amène un roman à chaque fois. Qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, il va encore. Après, il va me vexer, il va me faire monter sur la balance de toute façon. J'ai pas envie d'aller le voir, moi. Pour me dire que j'ai pris du poids, oui, je le sais. Mais je fais pas de sport. J'y peux rien. Je pense parfois aller faire du sport et puis après je vais voir des jeux. Ça me saoule parce qu'il va y avoir des gens. Tu peux faire du sport là où il n'y a pas de gens. Bah oui, chez moi, mais il y a toujours quelqu'un. Donc non. Non, Tsuba. Tu veux pas retourner dehors sous la pluie? Je pense que non. Tu veux vraiment qu'il retourne sous la pluie? C'est bizarre, toi. Hein. Je sais qu'il en serait... En plus, il en serait capable. Moi, comme mes chiens, hein. C'est un peu con sur les bords. Hein. Les médicaments, avec un mois de péremption, c'est grave. Un mois, ça va. Un mois, ça va. Ok, merci. Sauf si c'est des trucs genre levure ou des organismes un peu vivants. Non, non, c'est de l'actifed. Ils le mettent parce qu'ils sont obligés, mais concrètement, tu peux le garder un an de plus. Ok. Ça te fera le même effet. Bon, tant mieux. Je peux continuer de les prendre. Alors. Oui, parce que les médicaments pour les allergies n'étaient jamais efficaces pour moi. Mais les médicaments pour les rhumes, comme les Actifed, du Mex et compagnie, ça me permettait de me calmer les allergies. Je les prenais que ponctuellement. Par contre. Ils rendent le truc plus sec. Sans doute, je sais pas. Il rend ta muqueuse plus sèche. Mais c'est vrai que du coup, bah, là il m'en restait, donc j'en profite. Puis si ça suffit pas, bah, je traînerai les pieds et j'irai voir le médecin. Hein. On dirait à moi que... Je vais aller voir ça donc. Non, mais moi c'est pareil, il faudrait que j'y aille un jour. Hein. Régulièrement, tu sais, je t'ai dit, je reçois un message du conseiller. Ah, j'aimerais vous voir pour parler de vos projets. Mais quel projet en fait? Mon argent il est bien là, fous-moi la paix, j'ai pas de projet. Si j'ai un projet, je viens te voir en fait. Me démarche pas. Ça j'aime pas. Quand ils viennent te démarcher. C'est pas méchant, hein, ils font leur boulot, mais ça me saoule en fait. Quand t'as besoin de quelque chose, en général, tu bouges ton cul, quoi. Ah, les oiseaux. Je sais pas où. Oui, j'entends. Bonjour les oiseaux. Ah putain, ils ont beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais. Moi, c'est les pies, là, dans le jardin. Elles me saoulent, elles sont bruyantes. J'aime pas trop les pies. Je préfère... attends, c'est quoi? J'ai un oiseau, c'est Up quelque chose. J'ai oublié. Il est joli. Il est zébré. Mais les pies, on les surveille. Parce que c'est voleur. Puis ça peut attaquer nos petits hérissons. Mon projet, c'est... Si, Shoma, exactement, mon projet, c'est de garder mon argent pour quand j'en ai vraiment besoin. Du coup, je vais pas le voir. C'est déjà beaucoup de projets, je trouve. Bah ouais.
Et de temps en temps, je fais un petit craquage et je m'achète des figurines. Non, ça faisait très longtemps. Ouais. Puis là, je vais faire... comme j'ai accepté une commission, et ben je veux... Oui, une. Ce sera sans doute la seule et unique. Je vais m'acheter Clip Studio pour l'année sur ma tablette. Et comme ça, je ferai ma commission aussi. Non, en vrai, il a validé le croquis. Je voulais le faire dimanche, mais j'ai eu le cafard, alors du coup, j'ai pas fait. Puis hier, ça va pas arranger, aujourd'hui non plus. Non, pas des licornes, chômage. J'ai pas acheté de licorne depuis très longtemps. C'est mes figurines de bah, DC dont je parlais tout à l'heure, là, de Even Official Dessing et tout, là. Bah, Wana, il les a vues, je lui ai montré. Elles sont trop belles, les figurines. Bon, de toute façon, je les avais montrées au chat aussi. Hein. Parce que j'étais trop contente de les avoir. Donc j'avais saoulé tout le monde. Je continue de saouler tout le monde avec. Je vais pas regarder si Wana est streamé ce soir. Ah, ton croquis, il a un line chelou. Oui, je sais pas pourquoi ce truc tremble autant. Je pense qu'il faudrait que je... C'est pas le stylet que t'avais changé du, oui. Du stylet. Oui, parce que tu venais de changer le stylet dans mes souvenirs. Oui. C'est ça, hein. Oui, mais en fait, j'ai tellement bidouillé les sensibilités et tout que je pense que ça ne va pas, mais... Après, regarde aussi la sensibilité sur le logiciel. Alors, dans mes souvenirs, sur Photoshop, t'avais ça, et sur Sai aussi, t'avais un truc de sensibilité sur le logiciel, en plus de celui de ton stylet. Il faudrait que je mette le nez dedans, mais j'avoue que, en fait, ça m'a tellement saoulé quand l'autre déconne et que j'ai changé tellement de trucs que, du coup, il faut que je bidouille tous les autres trucs que j'ai fait, ouais, ça attendra. Pas lui m'en fout, c'est ça. Exactement. Mais oui, ça fait des trucs chelous, il faudrait que je me penche là-dessus. Ah, mais c'est ça que j'ai pas fait. Non, non. C'est une bestiole. Il en met tout. Il me manque un truc. Je sais pas où la mettre.
peu la flemme. Rudy qui a mis son projet de vie. Ah mince. Qui? Il vient d'envoyer une newsletter. Rudy. Je connais pas. Sur Antocrypt, je sais pas si t'as vu participer à Wendy. Non. Je crois pas. Je sais plus. Peut-être. Non, je crois pas. Je crois que c'est pas trop mon style de dessin. Malheureusement. Oui, après c'est un peu spécial, hein. C'est un univers post-apo avec des insectes. Ah oui, bah c'est pour ça. Et c'est parce que c'est trop compliqué pour. Pourquoi il annule son projet du coup? Il l'a précisé. Il l'envoie pas le mot en fait. Ah. C'est comme moi avec mon carnet de voyage, sauf que moi je suis allée jusqu'au bout, même si ça m'a pris 6 ans. Voilà. C'est vrai. Mais. Et heureusement. On est bien content. Vous imaginez le drame si on n'avait pas eu le carnet? J'aurais pleuré. Bon, je l'ai pas lu, mais ça va venir. Bon, tu sais, Lyon l'a pas lu non plus. Même petite pomme, elle l'a même pas. Je lui avais donné. En fait, il y a son mari qui est venu à la maison que j'avais déjà préparé pour sa famille. Mmh. Je lui ai filé le livre que j'avais préparé. Puis j'ai dit, bon, de toute façon, on va se revoir et tout. Je te filerai un livre en plus. Au chaussi. Puis du coup, bah, on s'est toujours pas revu, elle l'a toujours pas. Merde. Voilà. C'est tout, hein. Et coucou Chosy. Coucou Chosy. Mais en vrai, moi j'avais laissé le choix aux angles, j'avais dit. Bah, si vous voulez être remboursé, vous pouvez. Si vous voulez que je vous envoie autre chose à la place, vous pouvez. Et puis sinon, vous attendez. Ouais, je me souviens. Moi j'ai dit j'attends. Puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de raconter des news pour rien dire, parce que de toute façon, ça m'avançait pas spécialement plus que. Oui, mais au moins, même si t'avais du retard et tout, toi, au moins, tu donnais des infos, parce que j'en ai eu plein qui a eu du retard, et niveau info, c'était compliqué, hein. Ouais. Mais comme je disais, là, je crois que ça y est, ça y est, tous mes lules sont enfin finis. Oula, moi, non. Ouais, mais j'ai pas participé depuis un moment des ulules, et le dernier que j'avais participé, qui me restait, c'était à recevoir, c'était Always... attends, merde, ça c'est le In Summer et c'était quoi? C'était Raining, c'est ça? Always Raining Here? Ouais. Ouais, il y a toujours celui de Knet. Hein. Ah oui. Mais d'ailleurs, elle a pas posté une news il y a pas si longtemps. Oui, après, elle nous tient relativement au courant. Hein. C'est pas le souci. C'est
C'est juste que, bah... Un jour, peut-être, t'aimerais bien la voir, quoi. Ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on en verra la couleur. C'est elle qui disait justement qu'elle était partie dans un autre truc.